Salut, bonjour à tout le monde, bienvenue à Chaz Bokit. Bonjour fanatique Chaz Bokit, c'est Chacha. Moi, j'ai Nyes, moi, Ivan, comme invité jeudi. Part of the show is in English and Creole. You can either listen to both languages or start from your preferred language. There is a notification telling you when each language starts or stops. Une partie de l'émission est en anglais et en créole. Vous pouvez écouter les deux langues ou commencer par la langue de votre choix. Une notification vous avertira du début et de la fin de chaque langue. Hello, today we're going to talk about the Salem Witch Trial. Stay tuned, it's going to be very interesting. It is important for me to know the history of the cities, states, and countries that I live in. Additionally, I like learning about the history of places that I visit. It tells me how they have evolved. A year ago this week, I went to Massachusetts to celebrate the life of my sister-in-law's mother. As I was driving down Peabody Street to the funeral home with my niece Yvonne, I noticed a sign indicating Witch Trials History Home for Sale, the house where John Proctor, one of the Salem Witch Trials victims, once lived, was on the market for sale. Further down, I noticed the area historical plate. I hopped out of my car to read to learn. Then my niece was thrilled to educate me about the Salem Witch Trials. Upon my return home, it was already aired on Fox 5 News. Just to let you know guys, I have enjoyed listening to Fox News in the past, but I am not part of the GOP party, period. What can you tell us about the Salem Witch Trials, Eva? A series of trials in the late 1600s in the United States in Massachusetts. And during these trials, many women especially, but some men as well, were accused of being witches. And so because of this accusation, they were imprisoned and some of them were even killed. It was one of the largest killings of people in the early times in America. And they were innocent. I mean, they were not witches, they were innocent, but they were killed because they were being accused. So because of these trials and because of these horrible things that happened to those people, the United States developed a more fair system for accusing people of crimes, and that's how they have the basis of a fair trial and representation and all those things. But before that, you know, they didn't have it as much of a construct for those things, so people could be accused of anything, and if enough people in the town or wherever you were hated you, they could put you in jail or they could even kill you if they were to accuse you of something terrible. So it's really sad what happened to those people, but because of that situation, now there's more fairness in the judicial system. And there's still work that needs to be done, but it's definitely better than it was in those times. Okay, thank you. What can you tell us about the area, Ivan? The Salem Witch Trials happened in Salem, Massachusetts, which still exists today. There's a town in Massachusetts called Salem Town, and that is where the trials took place in the late 1600s. So this is when America was first started. It's very close to the area where the pilgrims were. And these people were very, very religious and very pious. So when they thought witchcraft was very evil. And so when they accused people of witchcraft, it was a very serious crime. And that is why they felt that they could kill them or put them in prison for it. C'est très important pour moi pour me connaître l'histoire de ville, de état ou bien de pays que je vive. Ensuite, c'est très important pour moi pour me connaître l'histoire de un côté que je visite, en ville, en pays. C'est fait me connaître, comprendre comment l'évolution est faite dans la ville ça ou bien dans le pays ça. L'année dernière, à Paris, j'étais dans Massachusetts, zone Peabody, Beverly, Denver, Lynn pour enterrement maman belle-sœur. Pendant que m'a conduit dans zone pour mal dans funeral home nan, avec Ivan Niesmoi, moi ouais un signe qui marquait maison des sorcières avant.
C'était la maison de John Proctor, l'un des victimes du procès des sorcières de Salem. Yes, moi, il va profiter pour lui enrichir connaissance, moi, pour l'éduquer à propos de l'histoire des sorcières de Salem. La femme connaît que gen moun qui t'est écrasé, gen moun qui t'est mouri, yo pendye moun yo. Et puis, moi, ouais, puis devant, plaque historique de zona, moi, garé machina, moi, descend ma li pour moi, capable apprendre plus dans l'histoire. Trissa qui était passé dans les années 1600 dans l'état de Massachusetts dans ville Salem. L'homme retourné la caille moi tendais avec moi même nouvelle ça dans Fox News. Moi était content des Fox News en pile parce que mesdames yo bay avec monsieur bay blague le bay nouvelle. Mais moi pas fait partie de GOP. D'après information que me joigne, il y a plus que 200 monde qui ont été accusés de sorcellerie. Ensuite, il y a 14 filles avec 5 garçons qui ont été tués. Ils ont été tués dans le côté que les Gallows Hill. Ils ont pendu, moun sa yo mouri pendié. Il y a une petite fille qui a 5 ans qui ont été mise en prison, ils ont accusé de en sorcellerie, ils ont dit que ils ont mordé moun nan brali. Ensuite, il y a un monsieur qui a écrasé, monsieur Almour, écrasé parce qu'il n'a pas témoigné. Il a été accusé tout même monde qui décidait de rester célibataire. Par exemple, si une fille n'a pas voulu marier pour raison personnelle, pas, ou bien pas décidé d'enfanter pour raison personnelle, pas, il a dit que la fille a été sorcière. À cause de l'injustice qui était passée dans le procès, il a essayé de travailler avec la justice système États-Unis, il a fait le mieux. Yo pas accepté moun rete carrément ou accusé un moun avant preuve pour dire moun nan coupable. Yo gen pou yo faire recherche pour yo wè si moun nan coupable. Avant de finir, m'a fait nous connait que m'pa kwen nan histoire sorcière ou bien loup-garou que moun yo ap di a. Mais cependant, à cause de méchanceté yo fait moun sa yo tué au mal, trop moun ki mouri, mon pa tap jamais rete nan zone Salem nan côté ki gen witch house yo avec un aux environs zone qui tout près dans zone ça, pas d'avoir été là. Mais on souhaitait que nous-mêmes n'a fait plus recherche toujours parce que il y a beaucoup plus d'informations que nous ca joindre, nous connaît sur site à propos de histoire ça, son histoire qui très longue. M'a dit nous en passant que Bolakay moi, il était qu'on a accusé en série de grandeur personnage, je dis moun ça aussi sorcière, c'est loup-garou, pas quitter moun ça vienne prendre feu la caille moi, il a mangé petit moi, l'homme saute l'hôpital avec petit moun yo. Mais moi pas trop occupé mon yo moi qui t'ai mon ça yo prend feuille yo fait thé yo porter pour moi yo chita yo ni Annie ni Ania ni Joël m'pa jamais gen rien petit qui rive petit moi mais ti mon yo grandi donc pour que c'est pas de vrai bagaille ça.